Et bonjour à tous, c'est Loïc, bienvenue pour ce nouvel épisode de Gas Station Simulator. Oh là là, je suis comme un fou, j'adore, je me régale. Il est plein d'énergie lui, et ben on va le payer d'abord, 91 boules. Et puis on va le mettre à la caisse, et fit sa main. Voilà, il arrive, bouge pas, il arrive. Alors qu'est-ce qu'on voulait faire? On veut gagner de l'oseille. J'ai 1400 balles. Qu'est-ce que je peux faire? Donc là, ici, apparemment, je peux pas. Hein. J'ai pas les prérequis. Il faut que je remplisse plus d'objectifs. Le workshop. Alors, je peux l'améliorer. Ça coûte 450. À quoi ça sert? Hier, il est là. C'est à quoi ça sert? Je vais pouvoir changer plus de trucs. D'accord. Donc ça, c'est bien, mais il faudra probablement que je mette quelqu'un dessus. Le warehouse. Donc ça, par contre, c'est intéressant, mais je peux pas. D'accord. Donc, outils. On a tout. Fonctionnalité. Autre. Alors, les parkings, pour l'instant, je peux pas faire mieux, je crois. Je peux pas avoir le suivant. Les toilettes, je peux. Pour 150 balles. Voilà. Très bien. Hop. Comme ça, on a des toilettes un peu plus propres. Ça, c'est quoi? Distributeur de carburant. Allez, hop. Deuxième. Et l'abri de bus, mais je l'ai déjà. Ok, donc on va améliorer quelques trucs comme ça, petit à petit. Je crois qu'il y a un gars qui arrive. Ok, j'ai encore 1000 balles. Je vais voir si je peux pas acheter une étagère d'autre chose. En vrai. En vrai, je vois. Il y a un client au garage. Faut que je peigne aussi. Je vais voir si je peux pas acheter une étagère d'autre chose. Et il faut que je peigne. Très important. Vous l'avez pas content, lui. Il a déjà l'air dégoûté, lui, à la base. Juste un pneu. Ça marche. Il va falloir que j'achète des pneus aussi. Je vais en profiter pendant qu'il est là pour me faire livrer et peindre un peu. Hop. Tac. Voilà, c'est tout ce qu'il vous faut. Voilà, c'est super. Je vais me faire livrer quelques trucs là. Pour le garage notamment. Pour commencer déjà. Qu'est-ce que j'ai là? Là, je suis pas trop mal. Là, c'est pas ouf. Ah, j'en ai plus. Faut que je commande du pneu, faut que je nettoie ici, faut que je peigne. Je vais commander quelques pneus. Comme ça, le temps que ça arrive, je vais avancer dans mon nettoyage. Pièce de voiture. Ah! On va en commander 10. Ils sont à combien? 500 balles. Nickel. Ils se le vendent pour rayures. Bon, Ouais, ça paraît bien. Ça paraît bien. Il y en a pour 700 balles quand même. Hein. Bah, on va virer ça. On va virer ça parce qu'on s'en sert pas tant que ça de ça. Pompe à essence, il y a quelqu'un. Il y en a deux même. Ah, c'est bien. Du coup, il va y avoir plus de monde à la pompe à essence du coup. Awesome. Okay, ça, c'est cool. Awesome. Ah, mais c'est trop bien ça en fait. Vu qu'il y en a deux, ils vont bien plus venir. Mais c'est génial ça. Ça, c'est bien ça. Il y a un truc que je voulais faire aussi, c'est peut-être nettoyer vite fait ici. C'est pas très propre, c'est très mal agencé, mais on verra plus tard. Je voulais commander une étagère en plus. On va bien voir qu'est-ce qu'on peut mettre en plus comme étagère. Fonctionnalité étagère, on a cigarette, alcool, il nous manque crème glacée, entretien voiture, journal. On va commencer par crème glacée, on va prendre une grosse, hein. Ça se met où ça? Ça se met dehors, tu crois? Impossible de placer à l'extérieur. Ok. En fait, j'ai l'impression que c'est pas droit. C'est moi qui bad. Carrément pas droit. C'est carrément pas droit. Il y a un client au garage. Ah, on va essayer de se les faire livrer aussi, du coup, de la crème glacée. Amande. Voilà, tout le reste, c'est cher. Peut-être se faire livrer des clopes, alors, du coup. Avec. J'aurai assez de thunes. Ouais, c'est bon. Hop. Attends, il y a un client au garage, j'arrive. Est-ce que je vais avoir le temps de peindre aujourd'hui? Je ne sais pas. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de peindre. Voilà, je viens de commander 10 pneus, donc en même temps, j'ai envie de te dire, ils sont à bon prix. Donc on va pas hésiter. J'ai envie de te dire, c'est un peu pour ça que j'ai plus de thunes.
J'ai acheté pas mal de trucs là, j'ai un dépensé au moins 1000 balles. Hop, ça a l'air d'être un peu rayé. Il y a quelqu'un à la pompe à essence, j'arrive dans une petite seconde. Deux même, incroyable ça. Il y a un autre pneu là-bas. Pourquoi ma souris se retrouve tout à gauche de mon écran hein. J'arrive à la pompe à essence. Tac, voilà. Et bim, 270 balles. Ça paye, ça paye, ça paye. Garage, c'est vraiment trop rentable quoi. Après, faut prendre de l'essence, les mecs. Hein. Là, vous me tuez là avec, avec vos 2 litres là. Vous me faites du mal là. Ah, il y a le transporteur. Ah, je l'adore cette musique. Elle est géniale cette musique. Elle est vraiment terrible. Il y a deux transporteurs. Yaliba, yaliba. Hop. Next. Du coup. Par contre, il faudrait peut-être le mettre autre part, ça, un jour. Hein, parce que hein, c'est un peu la merde. Hein. Sympa ici, mais. Hein, c'est mon entrepôt ici. Hein. Les WC, j'ai pratiquement pas eu besoin d'y mettre les pieds. Ça va me rapporter de la thune en plus à chaque fois qu'ils vont pisser, donc c'est cool. Voilà. Parfait. Parfait. Il n'y a pas un caca au milieu quand même. Donc ça va. Donc il n'y a pas un gros caca au milieu, c'est cool. Ah, touc. Choum ! Pompe à essence. T'as bien du monde à la pompe à essence aujourd'hui. Est-ce que j'ai commandé d'autres? Des clopes, non? Des clopes en alcool, on a de la place. En bouffe aussi, on place. Place tout ce qu'on peut. Ok, pompe à essence encore. Oh. Nickel, bon de ce côté. C'est propre. De ce côté, c'est propre. Puis après, ça recommence ici. Je suis persuadé que c'est l'autre foot Denis là qui m'a cartonné tous mes murs. J'ai déjà 1000 balles. Je suis bien. Hein. Ça, il faut que je fasse les angles en blanc et je suis bien. Hop. Quelqu'un dans le garage là, sérieux? Ah, je vais en mettre de partout, non, c'est bon. Ah, j'ai trop d'angles à faire. Attends, je vais faire le mec dans le garage d'abord. Là, il est perdu en plus. C'est pas où il vit. J'ai toujours pas nettoyé mon garage. By the way. Un pneu. Hop. Tac. Nickel. Très bien. Finir de peindre. Ah, il me restait les angles en blanc. Oh. Pas essence. Non, je veux. Voilà. Et le petit der. Comme ça, c'est fini. Pour ce bâtiment-là, du moins. Après, il faudra que je fasse l'intérieur du garage. Voilà, c'est bon. Hop. Alors, ils viennent pour... à 25 balles, quand même. Mais bon, c'est pas non plus... Hein. C'est pas mal, mais c'est pas non plus la folie. Okay. Il en est où de son énergie, lui? Il est bientôt vide. C'est un peu de tristesse, hein. On
peu de tristesse, je vais devoir m'occuper de toi en même temps là. Ce qui m'embête profondément. Je voulais peindre. Andrew, allez, va te reposer, Andrew. Andrew, va te reposer, va. C'est que ça, là. On va faire par terre, ça. Ah ouais, à plus, Andrew. On m'a fait gagner de la thune, au moins. Oula, le snack, c'est la fin des haricots, là. Oh! C'est le fin des haricots du snack. On va commander un peu de tout, là, je pense. Oula, c'est bien rush. C'est bien rush. Bien rush, c'est bien rush. balles. J'ai pas la capacité. 377. Ouais, pas tant que ça, hein, j'ai envie de te dire. 367. 357. 347. Là, je pense que les sous, il est un petit peu descendu, mais c'est pas grave. Oh, il y a un gars dans le garage. Merde, faut que je me mène. Allez, bouge! File! Tiens, il a du... Il a un pull Adidas, lui. Incroyable. Pringles. Une petite glace, un Skittles. Ok. C'est moi qui vous fin Q. C'est moi qui te fin Q, mon ami. Attends, il y a ma livraison qui arrive. Qu'est-ce qu'il te faut? Qu'est-ce qu'il te faut? Deux pneus, déjà. Trois pneus! Ok, bon. Trois pneus, quoi. Essence, j'ai trois pneus à faire les mecs, alors là détendez-vous, caisse et compagnie là, là j'ai pas le time là. Là va falloir vous détendre les gars. Hein. Faut pas être partout hein. J'ai pas vu s'il y avait quelque chose mais. Je crois que c'est tout. Il faut aussi, il y a aussi sa porte quoi. Oh, le mec quoi. Oh là là, il y a la livraison, il y a tout qui arrive en même temps là. Tu vois, rien que de ne pas s'occuper de la caisse, c'est quand même quelque chose. On a beau dire. Rien que de ne pas s'occuper de la caisse, c'est quand même un délire. Allez, dépêche-toi. Il y a du monde qui attend. Après, ils vont se barrer, ils vont pas être contents, ils vont mettre le mauvais œil. Sur TripAdvisor. Genre, ouais, là-bas. Oh, 350 balles. Si. Là-bas, c'est de la merde. Je sers les clients et j'arrive à l'entrepôt. Hein. J'espère qu'il a pas pris 5. Oh, il a pris 2 produits, ça va. Ouais, pas de quoi, y'a pas de quoi. Hop. Ah, c'est le garage qui me prend du temps. Ça me prend un temps fou le garage. Vérité. Hein. C'est la vérité, les amis. Ça me prend un temps fou le garage. C'est la vérité. Caisse, garage, caisse. Ouais, mais la caisse aussi, c'est pareil. Donc, caisse, garage, caisse. Il me faut 2 mecs en fait. Hein. Il me faut un pour le garage, un pour la caisse, et puis c'est tout. Hein. Pas photo quoi. La question c'est est-ce que quand il n'y a plus de fourniture dans le garage, ça me le dit quoi. C'est ça la question. Il y a encore là des trucs. Eh ben, commandez des choses. Ah, c'est bon. Est-ce que... plus il est sale mon accueil. Je vais voir où est-ce qu'il en est. Personnes à la caisse, j'arrive. Charif. On va s'occuper d'en premier. La fin de toute chose. Ça part les glaces, hein, en vrai. En vrai, ça part les glaces. Hein. J'ai l'impression. Tellement de monde à la caisse, quoi. Pas si je sauve la vie, mais ça me fait plaisir. Pompe à essence. Pompe à essence. Oula, c'est un basketteur, lui. Lui, c'est un basketteur. Tac. Ok. Bon, est-ce que je peux récupérer mon ouvrier?
Pas encore. Ah bah ouais. Hop, caisse enregistreuse. Ok, c'est good. Il arrive. Il arrive. Merde, mais non. Pourquoi ça fait ça? Tac. Donc ça, le reste trop cher les gars, donc vous mangerez ça. Et puis point bas. Oh non, là. Ah, il y a quelqu'un à la pompe. Faut que je nettoie un peu. Ça m'a réchaussé en plus. Faut les faire attendre. On va mettre un petit coup là. Est-ce que je vais arriver à nettoyer mon garage ou pas un jour, à ton avis? Est-ce que je vais y arriver un jour ou pas? Après, autant on peut avoir un employé peut-être qui s'occupe de ça, mais ça m'étonnerait. Mais... autant oui. Hein. En vrai, autant oui. Oh là là, il rentre dans le garage, je voulais nettoyer le garage. J'ai 1200 boulons. Pompe à essence. Pompe à essence. Quoique ça va me finir ma quête, hein. Je vais bientôt finir ma quête de pompe à essence, ça c'est plutôt cool. Hop. Carburant faible. Ça, par contre, faut que je me fasse livrer pendant qu'il est là. J'aurais bien amélioré hein, mon carburant, mais... Client garage, j'arrive. Je suis level 5, popularité 58%, je suis pas trop mal. Ah, en fait, il regarde par terre parce que c'est dégueulasse peut-être. Ou alors il me salue, je sais pas. Parce que... ok. C'est bien ça, parce que ça rapporte de la thune. C'est cher à l'achat, mais ça rapporte de la thune. Je crois que l'autre porte aussi est abîmée. Et il y a un peu neuf. Il va bientôt falloir que j'en rachète de ça. Je suis dégoûté parce que ça coûte cher. Oui, dit non, non, non. Oui, dit non, non, non. Ah, la réapro qui arrive, c'est l'essence. Donc ça, c'est cool. Un petit pneu et c'est good. Hop. Il y a un client là. Il va falloir que je fasse vider les bennes aussi. C'est un peu chiant quand c'est plein. Client poste à essence. J'ai ma livraison d'essence qui arrive d'ailleurs. Tâche terminée, nice! Améliorer votre station de service au niveau 4. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Je crois que je peux faire un truc de fou. Vous n'avez pas d'argent. Oh merde, il faut 1000 balles! Ah les bâtards. Ah, faut attendre. Faut attendre parce qu'il me faut 1000 balles. Ah! Client pompe à essence. C'est bon, faut juste le tourner une fois, je pense. Depuis le début du jeu, je fais comme ça, ça fonctionne. Ça se remplit, les gars. J'ai 1100 boules. Let's go. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je peux améliorer d'autres trucs, du coup? Vous avez reçu un mail. Alors, enfin, le nom de ta station te revient dans la figure, petit neveu. Je suppose que
Tu sais ce pourquoi tu t'es engagé, mais je pense qu'un rappel nous fera du bien à tous les deux. Je l'admets, j'ai aussi oublié la saison des tempêtes de sable. Je m'excuse si tu as reçu du sable en pleine face à cause de cet appel. Quoi qu'il en soit, c'est la saison des tempêtes de sable, donc elles vont arriver plus souvent qu'avant. Malheureusement, nous n'avons pas trouvé comment nous en débarrasser depuis tout ce temps, et nous n'avons toujours pas de méthode aujourd'hui. Tu devras simplement affronter la tempête et nettoyer quand les choses seront passées. Comme tu l'as vu, la visibilité limitée à l'extérieur est le moindre de tes problèmes. Le sable est le plus gros problème. Chaque tempête de sable apportera une abondance de sable pour laquelle tu devras demander une faveur au vieux Rudy. Si cela semble simple, pense à la pyramide. Le sable, c'est Rudy. Rudy a besoin de carburant et le carburant, c'est de l'argent. Ah, donc on va avoir des problèmes. On va avoir des problèmes. Je crois qu'on a un appel de l'oncle là-bas, non ? Il y a un gars qui regarde. Il faut faire vite, quelque chose de sombre se profile à l'horizon. Attends. J'ai des clients. C'est les clients avant tout. Et Charles Xavier en plus. C'est pas tous les jours que tu peux... Oh, il a 3 pneus morts. Toi, tu vas me rapporter des sous, toi. Toi, mon petit Charles Xavier. Laisse tomber, hein. Ça va te coûter cher, tout ça. Je sais pas si t'es au courant. Bon, est-ce que je peux avoir un autre employé pour le foutre au garage? C'est la première chose que je vais faire, acheter une cabane. Ça, j'aurai 2 ouvriers. Ça ira beaucoup mieux déjà. J'aurai plus de temps, quoi. Hop. Ok. Normalement c'est bon je crois. Ok. Je nettoie tout ça par contre. Ah oui, faut que j'aille répondre à l'oncle. Putain, tout est pourri, faut que je nettoie tout. C'est la galère. Faut que j'aille répondre à l'oncle. Qu'est-ce qu'il va me raconter? J'ai pas regardé ce que je pouvais améliorer par contre. Je vais être honnête, j'ai besoin d'une faveur. Je sais pas ce que c'est cette période de l'année, mais il faut se cacher. Petit, je t'appelle plus tard, juste une chose, nettoie les tas de sable quand la tempête est terminée, il pourrait causer des problèmes. Ok. Ça pue, les gars. Ça pue. Ça pue sévère. Ça pue sévère, cette histoire. Je passe ma vie à nettoyer le garage, je sais pas si vous avez remarqué. Pas mal, ça. Oh la vache, la tempête de sable! Délire. Délire. Truc de fou. Ah mais carrément, ça bien en tout cas. Carrément dans les bâtiments et tout. T'sais. Bon écoute, les petites seringues là, je sais pas combien de temps je vais mettre pour les nettoyer, mais si j'y arrive un jour. En prendre qu'une en vrai. Ah. Il y a un client à la pompe à essence. Ok, elle est vite passée la tempête. C'était juste ça, ça va. Client à la pompe à essence. Hop, il y en a 2 même. J'arrive. Qu'est-ce qui s'est passé? Répondez au téléphone. Ouais, attends. Attends. Attends, la caisse, il va se barrer, ça va galère. Ah ouais, il y a des tas de sable au milieu. Client à garage. C'est enfin terminé, j'ai besoin de ton aide, on doit faire vite. Mon petit, on me dit que quelqu'un passait par la route sentier avec une cargaison assez précieuse, c'est qu'on va faire un crochetage. Ok. On rappelle plus exactement, mais hein. Terminer tous les défis. Ah, il faut que je crochette toutes les voitures qui arrivent là.
Une blague. Est-ce que c'est une blague? Oh là là, tous les pneus encore. Non mais j'ai pas le temps. Pas possible. Hein. Il me donne des missions. Je sais pas s'il est au courant, mais... Alors c'est même pas la... C'est même pas la peine, quoi. J'ai la caisse à gérer et il me dit dans 10 minutes, faut que j'ai fini de faire 10 bagnoles en crochetage. Mais il est totalement fou, lui. Il est totalement fou, je crois. Hop. Ah, poubelle qui est pleine. J'ai plus personne à la caisse. Je me tape le garage. Je me tape tout, là, tonton. Hop. Putain, faut que j'en achète 200. Que je me fasse une grosse livraison de... Il va falloir que je fasse une grosse livraison pour le garage. J'arrive à la poubelle. Il est parti le gars de la caisse, non? Parti le gars de la caisse, si. Faire nettoyer les bennes aussi. Hop. Livraison, collecte de poubelle. Hop là. Qu'est-ce qu'il me racontait? Faut que je rejette des bagnoles. Mais il est totalement fou, lui. Il est ravagé, lui. Là. Hop. C'était erreur. Il va falloir que... Oh, j'achète des trucs. Ah, il y a un gars à la pompe. J'arrive. C'est sale en plus, là. Ah, c'était pas lui. Autant pour moi. C'était l'autre d'abord. Je sais pas comment je vais gérer tout ça, non. C'est marrant. Donc, je crochette des voitures, c'est ça? Comment on fait? J'ai pas compris le truc, là. On peut pas voir les quêtes ou je sais pas quoi, j'ai pas trop... J'ai pas compris ce qu'il voulait que je fasse. Je rochette des voitures, mais quelle voiture? Oh, ça m'a abîmé ma peinture. Oh, il va falloir que je repeigne, je suis au bout de ma vie. Hein. Je venais de peindre. T'y crois toi ou pas à ça? On est où mon employé là? Okay, il est mid-life. On va pas le solliciter maintenant, on va attendre qu'il soit full. J'ai pas trop compris quelle voiture il veut que je crochette en fait lui. Je vais voir dans les mails le temps c'est écrit. Qu'il y a pour l'instant c'est juste pas possible. Des coups comme ça dans les trucs, je savais même pas. S'il m'a envoyé un truc dans le mail, une grosse faveur. Cette cargaison est d'une grande importance pour moi et je souhaite donc la récupérer. Bon, si je te demanderai de prendre part à l'opération et participation, ce serait simple. Je veux que tu vérifies le contenu des coffres d'un certain nombre de voitures passant par votre station. Simplement de nous aider, moi et mes hommes, s'il te plaît, prends ceci au sérieux, tu fais partie de la grande entreprise de la vie. Ouais, ouais. Ben, déjà, je vais appeler mon employé du coup pour qu'il vienne, hein. J'ai pas le choix. Faut qu'il s'occupe de la caisse. Faut que... Et puis moi, faut que... Donc quoi, je crochette. Mais comment je fais pour crocheter? Ah, mais je sais comment faut que je fasse. Je sais. Je sais. Voilà comment il faut que je fasse. Ah, le truc c'est que c'est bien sympa, mais bon, faut que je serve les mecs en même temps, quoi. Parce qu'il se rend compte, le type. You're a lifesaver.
Ouais, il faut, et puis faut aussi qu'il y ait des, faut aussi qu'il y en ait des coffres à crocheter. Il reste combien de temps là? 4 minutes 30? C'est mort. Hein. Faut que j'en fasse 10 en tout. Hein. Autant dire que c'est pas la peine. balles, c'est pas mal ça. Il y a un client au garage. Chier ça. Je suis obligé d'aller le faire. Non mais je pourrais pas la faire, sa quête. Hein. C'est mort, c'est mort. Tant pis pour lui, hein. Il se débrouille. Hein. Parce qu'il va me faire, mais... Ouais, bien content, mais tant pis. Hein. Faut que je gagne de l'oseille. Hein. Je suis là pour faire du commerce, mais pas pour voler les coffres des gens. Hein. Il est fou, lui. Hop. Je n'aurai jamais le temps, quoi. C'est ça le truc. Faut que je me fasse livrer des matériels pour le garage. Là, je peux le choix. Là, si je fais ça, là. Je vais le crocheter son coffre. C'est qu'il se barre, quoi. Mec. Genre en mode, il se barre, quoi, c'est sûr. Ça devant tout le monde en plus. Pourquoi j'arrive pas? Mais. Ça marche pas là. Celle-là, ça fonctionne pas. Je vais pas accrocher la police. Hein. Bon, laisse tomber. Hein. Laisse tomber. Je pourrais pas quoi. Par contre, on va se faire livrer des trucs. Balles. 1000 balles! Hop, on va nettoyer un petit coup là parce que c'est dégueulasse. On va pas se faire livrer que ça. On va se faire livrer aussi un peu de bouffe et des trucs comme ça. Ça va beaucoup mieux. Les toilettes aussi, ça va être un peu sale, mais ça va encore. Hop. Hop. Faut... Ah oui, l'ébène. Merde. Ah, mais c'est bon. Je sais pas pourquoi il reste des trucs. Est-ce que c'était pas au fond, ça? Hop. Oh, il y a un gros caca, là. Il y en a un qui nous a posé un bon gros caca. Voilà. Ah, il y a des nouvelles toilettes, il y a des nouveaux trucs. On peut améliorer plein de trucs, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'on peut améliorer plein de trucs. Bon, on va peut-être commander aussi un peu de, du reste. Produits. Boisson, qu'est-ce qui vaut le coup? Ça, ça vaut le coup. Casse-croûte, ça vaut le coup, ça vaut le coup, ça vaut le coup. Alcool, ça vaut le coup, ça vaut le coup. Cigarette, ça vaut le coup. Crème glacée. Ah ben voilà, il y en a un peu plus là déjà. Un peu mieux ça. Entretien voiture et journal. Chapeau, lunettes. Ah. Quoi? Pas de capacité dans l'entrepôt? Ah, oh, je suis à 495. J'y entre. On va commencer par les boissons, le casse-croûte. On a combien là? 330, parfait. Pompe à essence, yariba, yariba. Voilà, il y a un petit problème, c'est que les gens ils arrivent plus à passer, faut que je ramène Rudy là. Parce qu'ils arrivent plus à passer les mecs. Donc ça va pas. Faut que je ramène le père Rudy. Normalement, il y a de l'essence dedans. J'ai mis de l'essence dedans. Yariba, yariba. Ah, pas. Comme on dit dans le jargon, pas. Hein. Merde. Je l'ai foutu au milieu de la route en plus. Je l'ai mis au milieu de la route en plus, le gars. Ah, la tristesse. Énormément de tristesse dans ce qui vient de se passer. Ah, je bloque tout. Je bloque juste tout le monde au calme. Oui, bon, bah une seconde, monsieur l'agent. Un petit peu de patience, non? Patience est mère de vertu, monsieur l'agent. Hein. Ah, les Ruru. Ah, les Didi.
On va enlever ce gros tas de sable, mais il y a une voiture dessus, alors j'espère qu'on va y arriver. Bon, après, je la vire, hein. Moi, c'est pas un souci, la bagnole. Tu me connais, Ruru? Tu me connais, mon petit Ruru? Hop. Il y a du monde à l'entrepôt, il y a du monde qui vient chercher de l'essence. Je peux pas tout faire, les mecs. Bonne donnée. Je le laisse là, le Ruru Didi. Hein. Je le laisse là, hein, il est bien. On va pas se le faire piquer, je pense. On va pas se le faire piquer, le Rudy, quand même, j'espère. En montant en satisfaction client, je ne sais pas comment ça se fait, mais c'est bien. Great job. Tant mieux. Il y a quelqu'un au garage, il y a quelqu'un à l'entrepôt. Les mecs, il y a même deux entrepôts. Je peux pas être partout. Bonne donnée. Je vais essayer d'acheter une caravane là pour avoir un autre gars. Ça sera bien, ça. Allez, tu dégages. Allez, dégage, parce qu'il y a du monde au garage. Là, j'ai pas le temps. Hein. Donc, maniez-vous, les gars. Maniez-vous! Client servi à la caisse, réparer des voitures, pourboire reçu, voiture réapprovisionnée. Ah bah là, je suis à fond. Là, je suis à fond. Ah bah, Andrew s'est barré. Ok, j'ai plus personne à la caisse maintenant. Faut absolument que j'achète un... une cabane pour un nouveau gars. Hein. Hop. Alors, il y a un client au garage. Je vais y aller de suite. Je vais voir après si je peux pas. Faut aussi que je me fasse livrer des trucs. Et pour ça, faut que je remplisse. Ce genre de choses. Voilà. Plus de produits, ça c'est con. Je suis l'âme d'âme. Deux en caisse, j'arrive. J'arrive, les gars. J'espère qu'elle a pas 17. Ouais, pompe à essence, deux à la caisse, mais calm down! Waouh! On va tout faire, hein. Putain, il est dégueulasse, mon gars. Il est vraiment dégueu. Je vais arriver à la caisse. Je vais essayer, en tout cas. On va se barrer sans payer, les mecs. Ils disent, oh, tiens, à personne, on se casse. C'est bon? Non, c'est pas bon? Oh, putain. Heureusement, j'en ai pris un petit... J'arrive. Ok. 250 boules. Là, on est dans quelque chose d'assez sympa. J'arrive, les gars. J'arrive. Je fais ce que je peux. Hein. Je suis là. Hein. Oh, c'est pas si sale que ça. Pourquoi vous regardez par terre? Faut déconner. Hein. Pourquoi l'ultimas? Toi, t'es arrivé en dernière, donc tu vas attendre 2 secondes. Awesome. Ah, le mec, il vient pour 10 balles. Ça me dégoûte. Ah, les deux sont venus pour 10 balles, quoi. Il me dégoûte. Bon, j'ai 900 boules. Incredible. Ça va être trop mal pour employer un gars. Ah, j'en ai deux. J'en ai déjà deux. Nina. Réparation, elle est douée. Hein. Caisse. Salaire, elle est moins chère en plus. Pas deux. Place. Il me faut une remorque. Ah ouais, je suis demandé. Ah, comme ça, on a une Nina en plus. Nickel. Voilà. T'es fou là? Tu vas t'occuper. J'ai besoin de te payer, toi. De la caisse, tiens. Voilà. Tout le temps qu'il y a quelqu'un à la caisse et l'autre, on le foutra autre part. Débrouillez-vous. Je veux pas savoir. Pas de produit. C'est pas de chance. Voilà. Hop. 50 de ça. Abusé ça. Elle arrive ou pas la Nina? Ah, ok. Ah,
là. Ah, je vais nettoyer un peu parce que c'est dégueulasse. Il y a quelqu'un au garage. Je peux mettre l'autre au garage. Il marche là où je nettoie. Ça me dégoûte. J'arrive au garage. Hein. J'ai un peu rapro des trucs là. Parce qu'il faut pas que je rapro des cigarettes aussi. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais sinon je le mets à la pompe et moi je m'occupe du garage. Dans le deuxième, ça peut être pas déconnant. Oh, trois roues! Ça pue. C'est abusé. Hein. Faut que je les fasse bosser tout le temps de toute façon. En vrai, hein. Dès qu'il y en a un qui est fou là. Bon, ça serait pas mal qu'il y en ait un tout le temps à la caisse quoi. Hop. Ok. Ah, il a aussi rayé sa bagnole, il va me rapporter de la thune. Il va me rapporter. Je suis passé par la gauche. Il va me rapporter des soutiens, faut que j'en achète de ça aussi. Faut que j'en achète de ça aussi. Je vais voir parce qu'autant je peux avoir 3 employés maintenant. C'est une bonne question. S'il est fou là, je vais le faire bosser l'autre fifou là. C'est pas ça que je veux faire. Ok, il est fou. Je le paye. Je vais le mettre à la pompe, je crois. J'en ai vraiment. Ah, je vais le garder en vrai. Putain, il me coûte 0. En vrai, il me coûte 0 là. J'ai pas besoin de le mettre. Oh, calme-toi. Oh, chez moi là. Ah, lui il vient pour 10 balles. Je vais voir ce que je peux améliorer plutôt. Qu'est-ce que je peux améliorer? État du carburant faible. Bon, on va commencer par se faire livrer du carburant. Ah. Ah, on est monté à 350 litres. Oh, extrêmement intéressant ça. Très 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 intéressant. Alors fonctionnalité, autre, qu'est-ce qu'on peut améliorer du coup? Oh, place de parking, ça je suis chaud. Ça je suis très très chaud. Hein. 500 balles seulement? Je vais le prendre. Ça je vais le prendre, c'est clair. Parce que du coup ça va faire encore plus de monde dans ma boutique. Et vu que je veux qu'il y ait un roulement entre les deux fifous là. Qu'il y ait tout le temps quelqu'un dans ma boutique, ça me plaît beaucoup ouais. Ça me plaît beaucoup. Très intéressé par avoir une place de parking supplémentaire. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Les toilettes. Je peux avoir un toilette en plus. Ce qui me rapporte du coup de l'oseille. Distributeur de carburant supplémentaire. Voilà, il va pas falloir attarder à en mettre un autre du coup. De mettre un mec dessus, je veux dire. Et en dernier, il n'y a rien. Ok, là, la place de parking à 509 balles. Autant te dire que je la veux, quoi. Juste, je la veux. Il me livre mon carburant Alors là, tu vois, ça m'a coûté peut-être 500 boules. Hein, de carburant. Mais autant te dire... autant te dire que... Il y a un client au garage. Autant te dire que là, on va être large. Hein. Là, on va être bien. Pourquoi? Dommage que ça n'a pas changé de skin. C'est pas beau. C'est pas très beau. Et puis voilà, enfin voilà, il aura besoin de moins passer quoi. Potentiellement quoi. Je vais aller au garage. En fait j'ai l'impression qu'il faut cliquer jusqu'à ce que ce soit fini en fait. Sinon ça s'arrête pas. J'avais pas l'impression que c'était le cas au début mais... Non.
pas s'il faut que je fasse tourner ce truc de mort. En tout cas, c'est long. Oui, bon bah les gars, c'est bon. Quel enfer. Je fais ce que je peux, hein. Clique dessus, je sais pas s'il faut que je clique dessus. Il y a un gars au garage depuis 17 minutes. Bah écoute, j'en sais rien s'il faut que je clique dessus. Hein. Pas cliquer dessus pendant 8 ans quoi. Ça le truc. Non mais sûr, faut que je clique dessus, il est encore là-bas. Hein. Il est en train de me boucher tout le parking là. Je suis dégoûté. Hein. Faut que je clique dessus. Faut que je laisse que je laisse dessus, tu sais, que je reste à côté ou je sais pas. Ouais, non, mais il fallait que je clique dessus encore deux fois. Tu y crois ou pas? Elle est encore là, elle. Ok. Un truc par terre, là. Vraiment très moche, mon magasin. Faut que je refasse ça un peu. Qu'est-ce qu'il y a mis ce truc là? Ah bah tu m'étonnes. Tac. Ça dégage, tout ça, ça dégage. Non mais c'est bon là les gars. C'est bon, il a fini. C'est bon. Faut se calmer maintenant. Tout va bien. Est-ce que je peux en avoir un autre de type? Yes! Ah, ça va être cool, ça. Ça va être cool. Je vais pouvoir acheter une autre pompe à essence. Je vais embaucher un gars. On voit leurs compétences, en fait. Ah, il y en a qui peuvent nettoyer. Oh, c'est pas mal, ça. Te mettre à la pompe, toi. Toi, tu vas te mettre à la caisse. Tu vas t'occuper par un autre employé. Faire une pause. Voilà. Très bien. Ça va me coûter de l'oseille, mais c'est pas grave. Pompe à essence, ça arrive. Moi, je m'occupe que du garage, comme ça. Et je vais pouvoir repeindre un petit peu tout ça, là. Parce que je suis toujours pas fini, hein. Je viens de le dire, le garage est dégueulasse. Par contre, on peut mettre quelqu'un au nettoyage. Ça, c'est très très intéressant. Ça, c'est très intéressant. Alors que je commande aussi un peu, là, parce que... Je suis à la ramasse, là. Je suis à la ramasse totale. Hop. Il y en a un autre. Ouais, il y en a un autre derrière. Faut que je commande, là. Ouais, du coup je mettrais peut-être quelqu'un au nettoyage aussi, ouais. Ça peut être pas mal. Voir si le roulement se fait en caisse, tu vois. J'arrive à faire un roulement en caisse, c'est le plus important. Attends, j'en mets un au nettoyage après. Il faut que je commande là par contre, parce que je suis en galère. Je sais pas si j'ai pas... J'en ai pas recommandé des pneus. Non. Alors, j'en ai plus. Ici non plus. Je commande des pneus, des ça. J'ai 1000 balles. Il faut aussi que je mette une pompe de plus, qu'elle bosse. Hein. Comment ça coûte une pompe de plus? 450. C'est fait. Comme ça, elle va bosser un peu plus, elle. On peut remettre une autre encore? Non. Quoique, on va savoir. Non. Je suis au max, je crois.
comme ça elle va bosser un peu. Ah oui, je voulais commander un peu du pneu, voir un peu ce que ça raconte. Je suis à combien là avec 6? Je suis à 318 balles. Et il faut du dissolvendrier. Oh, il est cher. Oh, il est trop cher. Il est trop cher. Il est trop cher, je peux pas. Okay, il me faut des clopes. Il me faut des glaces. Il faut un peu de tout, hein. J'ai l'impression. Ce que vous en pensez, mais... Il me faut des clopes, il me faut des glaces. Tac, tac. Le check, hein, comme ça. Okay. Non, ça va coûter combien ça déjà? 331, calmez-vous les gars. Un peu de glace. Déjà, c'est bon. Ok. Il y a quelqu'un au garage. La pompe à essence, normalement, ça se gère tout seul. Je pense que je vais la mettre au ménage, l'autre. Pneu là, deux pneus là. J'en ai commandé des pneus là, on est d'accord? Ouais, j'en ai commandé. Hop. Oui, je peux le faire évoluer, mon garage. Après, je pourrais peut-être mettre quelqu'un dedans. Hop. Ah, il y a la livraison qui arrive. Tac. C'est tout bon? C'est tout bon. Je vais mettre quelqu'un au ménage, je pense. Je vais faire mes livraisons, là. J'ai deux livraisons, normalement, elle est où l'autre? Elle arrive. Qu'est-ce qu'il me livre, lui? Il me livre... Ah, ok, il me livre les pneus, lui. C'est très très bien. Ok, j'ai l'autre. Lui, il me livre les pneus, et l'autre, il me livre des glaces et des clopes. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Tudum. Tudum. Porte de l'entrepôt, mais j'y suis, mon gars. J'y suis, mon gars. Hop. Allez, à plus. Je ferme ces portes à chaque fois, mais c'est à moi de le faire. Ok, donc ça, c'est bien. Je suis à 413 balles déjà. Donc là, je vais augmenter un petit peu. Hein. Faut que je refasse un peu mes murs, là aussi. Hein. J'ai de la peinture à faire de ouf. Ça, c'est bon. Hop, c'est jamais full, hein. Pas se mentir. Ok. Donc là, je suis très très bien. Putain, la poubelle, ça va une vitesse. Limite, je vais mettre quelqu'un en nettoyage plutôt qu'à à la pompe, en fait, hein, en vrai. J'ai 400 balles. T'as déjà plus d'énergie, elle. Je dois de la mettre au nettoyage. Let's go. Ah, il faut que je la paye. Okay. Donc on a rempli ça. Il y a quelqu'un au garage. Là, j'en ai acheté de ça? Non, ça non plus, je crois. C'était trop cher. Alors, raconte! Qu'est-ce qui t'arrive, Johnny Boy? Nettoie, hein. Ah, elle va nettoyer, je pense. Là, elle va nettoyer toute la station, là. Pas que l'accueil, je pense. Ok. Un peu nœud? T'abuses, gros. T'abuses, trois pneus, là.
Ok. Donc ça, je la laisse, elle va nettoyer, c'est ça? Faut que je peigne. Il faut que je peigne. Ouais, c'est vraiment dégueulasse. Ah. Est-ce que vous entendez ce que j'entends? C'est la musique du bus. La musique du bus. J'espère qu'elle va rester à la caisse un petit moment, sinon je vais y aller. Alors je sais pas si c'est bien rentable de la mettre à la pompe à essence, l'autre en vrai. Hein. Franchement... pas sûr que ce soit bien rentable. Il prend 2 secondes. Ils sont là les fifous. Fifou, fifou. Ah ça va, il reste encore un peu de temps. Ah elle est en train de nettoyer, ça c'est cool. Ils vont me faire une razzia eux, tu vas voir. Ah ça c'est trop bien par contre le nettoyage. Hein. Ça par contre c'est top. Hein. Après faut qu'ils nettoient tout quoi. Ils sont trop chauds. Ils sont trop chauds. Après il faut vraiment qu'ils nettoient tout par contre. Donc ici c'est bon, je vais aller vite fait mettre un coup dans les chiottes. Ils seront heureux. Oula, en haut à droite carrément. Un bon pipi à tous, hein. Ça augmente la satisfaction et ça c'est bien. Ok. Cinq personnes à la caisse. J'entends un bip, elle est encore là. De toute façon, ah mais si on peut, hein. On peut peindre à l'intérieur des chiottes. Je l'avais peint. Comment je fais pour peindre alors celles qui sont déjà fermées? C'est la question. Comment je fais? Ah, Matt, elle va nettoyer le garage. Trop bien ça, quelqu'un qui nettoie par contre, ça c'est top. Il y a quelqu'un dans le garage d'ailleurs en parlant de ça. Comment je vais faire pour nettoyer par contre l'intérieur du coup? Je ferme la station. Je peux de là? Ok, elle s'est barrée. Top. Let's go. You're a lifesaver. Qu'est-ce que je vais faire? Nina, je vais venir ici. Je vais aller à la caisse, Nina. Moi, je vais m'occuper de la pompe à essence et du garage. Tu nettoieras après. Ok. Qu'est-ce qu'il te faut? Qu'est-ce qu'il te faut, jeune tueur en série? Et 2 pneus, 3 pneus. Oh là là. Ça va pas être possible, les pneus là, faut se détendre. Hein. Combien je peux en avoir en tout? Je sais pas, 20. Je sais pas combien je peux en commander en tout, mais. Il y a déjà un. Forcément, je commande des pneus. Là. Ça descend la caisse, ouais, c'est en train de descendre. Il y a quelqu'un à la pompe à essence, je vais arriver juste après. Ça envoie du poney, les gars, il y a du monde là. Quand on se fait rush par... Bah encore, ça serait allé s'il y aurait eu quelqu'un à la caisse, mais... Oh, 4 pneus. Mais elle s'est barrée au moment où le bus est arrivé, quoi. Trop de chat. Sûr que 10 minutes de... 10 minutes d'heure sup, ça lui aurait arraché la bouche. Hein. Hop. Et ça descend, la caisse, c'est cool. C'est pas fini, il y a encore 2. Oh mais lui il a un accident, c'est pas possible. Il y a un accident, lui c'est sûr. Je sais pas combien il va me devoir, mais ça va lui faire bizarre. Il va la sentir passer celle-là, je peux te le dire.
520 balles. Je suis à 2000 balles. Bon, messieurs, dames, je suis là. Je suis à vous. Je suis à vous. Tac, tac. Hop, voilà. Bon, la caisse, ça va se finir tranquillou. On va mettre quelqu'un sur le ménage dès que c'est possible. Par contre, ce qu'on va faire, c'est commander des pneus de suite. Parce que là, je suis vraiment en galère. Donc, j'espère qu'ils sont pas chers. Oh là là. J'en commandais 15, je m'en fous. Trop cher, putain. Oh là là, tout est cher. J'en ai plus rien. 4. Voilà. Et hop. 1475 balles. Il y a des gens dispo, là ? Pas grand monde. On va attendre, on va les laisser, hein. On va laisser se reposer. Les amis, on va arrêter la VOD ici. C'est bien passé, hein. Mine de rien, c'est un peu dégueulasse, mais... on va arrêter la VOD ici, on est arrivé à récupérer pas mal d'oseilles. Demain, il va falloir commander pas mal, hein. Il va falloir qu'on commande pas mal parce qu'on est en retard, là. Enfin, on s'est fait dévaliser, quoi, par le bus. Clairement. Regardez-moi ça. Il n'y a plus que dalle. Donc demain, ça va être opération commande, livraison, et... gestion des employés tranquillou. Récupère un petit peu de sous parce que ben on est monté à 2000, mais bon, faut racheter des pneus, on en avait plus, hein. Donc forcément ça pique. Faire du ménage aussi, mettre quelqu'un sur le ménage, très important. J'ai peut-être quelques trucs qui peuvent se placer, hein. Voilà, par exemple. Ah putain, c'est chiant ça. Je vais pas le remettre dessus à chaque fois. Tu vois, par exemple, tu vois, il y a des trucs, j'en ai 50. Faut que je les vende. Ici j'ai plus rien. Si j'ai... Oh si j'en ai. Hop. Et ici, j'ai plus rien. Donc il faut que... Demain, c'est opération commande. On va s'arrêter là, en tout cas, pour cette VOD. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. C'est la famille, ça fait plaisir. Et mettez un petit pouce bleu, bien sûr. À demain. Ciao, ciao.